une merveille. C'est l'église qui possède, pour tout Paris, le seul jubé monumental et un buffet d'orgue tout à fait unique. Nous sommes à la fois chez François Ier, chez Louis XIII et bien entendu chez Sainte-Geneviève. Qui était Sainte-Geneviève et qui est Sainte-Geneviève? Je crois qu'on peut parler au présent, puisque c'est une grande sainte et évidemment qui est toujours présente, qui est toujours dans cette église du ciel où elle intercède pour les Parisiens en particulier, pour les Français et pour tous ceux qui s'adressent à elle. Elle a beaucoup aimé Paris parce qu'elle a donné toute sa vie à Paris après l'avoir donnée à Dieu, disons quand même. Prenons les choses dans l'ordre. Elle a d'abord donné toute sa vie à Dieu et dans tout son chemin de femme, de vie, elle a donné toute sa vie à Paris, en Dieu, disons, par lui, avec lui et en lui. Elle est née à Nanterre, ça on en est à peu près certain, en 422. Elle est contemporaine de Clovis, bien entendu. Elle mourra, tenez-vous bien, à l'âge de 80 ans. Elle perdra ses parents très tôt, elle est orpheline, elle arrive ici, à l'âge de 15 ans. Je dis ici, pourquoi? Parce que Paris, à ce moment-là, c'est le cœur de la cité, c'est le cœur de Paris, c'est la cité, c'est l'île de la cité, et c'est la future montagne Sainte-Geneviève. C'est là que, voilà, l'enceinte de Paris. Et donc, elle est accueillie par sa marraine. Il s'avère très tôt que c'est une femme destinée à la plus grande, à la plus haute piété, et là, son destin commence. Sainte-Geneviève est donc une jeune fille qui est née à Nanterre et dont les parents étaient sans doute les chefs de la ville ou en tout cas de grands responsables. Alors bien sûr, le terme de ville, pour notre époque, nous imaginons presque une mégapole, il faut imaginer un tout petit village à notre échelle, mais pour l'époque, donc l'époque gallo-romaine, c'est une grande agglomération. Elle était d'une famille gallo-romaine assez riche. Et son père Sévérus, qui s'appelait Sévérus, avait une charge municipale. Et selon le code romain, automatiquement, comme elle était fille unique, elle a hérité de cette charge municipale. On sait que son père avait des responsabilités politiques importantes. Ils étaient également propriétaires terriens. Et ces terres, d'ailleurs, Geneviève va les garder. Et elles serviront à un moment à nourrir la population de Paris. Nous avons une relation assez précise de sa vie dans une vita qui a été écrite à peu près 20 ans après sa mort. Et où on nous décrit une personnalité très forte, très belle, très présente, très paisible, très sereine. Je crois que Sainte Geneviève était quelqu'un qui devait avoir une autorité naturelle, qui devait s'imposer sans heurts, sans qu'elle ait à faire montre de cette autorité. Et qu'elle était aussi bien à l'aise, si je puis dire, avec les plus pauvres, avec les plus petits, qu'avec les rois et les reines. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Elle ne s'est certainement jamais laissée griser par le fait de côtoyer les grands de ce monde, car elle a côtoyé Childéric, elle a côtoyé Clovis, bien sûr. Elle était très importante dans l'accompagnement de Clotilde et dans la conversion de Clovis. C'est très frappant de voir à quel point cette femme joue un rôle à la fois religieux et un rôle politique. C'est vraiment un personnage de premier plan dans cette Gaule romaine en proie à des difficultés assez effrayantes.
Il faut resituer l'époque. C'est une époque charnière, c'est une époque de transition entre le moment où l'Empire romain est complètement en train de s'effondrer et où une ère nouvelle apparaît, notamment avec la venue des Francs. Le premier épisode décisif de la vie de Sainte-Geneviève, c'est cette rencontre avec Saint-Germain, Saint-Germain d'Auxerre. Sainte-Geneviève, enfant ou jeune adolescente, se trouve là dans une foule qui accueille Saint-Germain et Saint-Loup passant par Nanterre. Et Saint-Germain discerne cet enfant au milieu de la foule, la fait s'approcher. Et donc Saint-Germain, d'une certaine façon, lui confie la mission d'être ce qu'elle va devenir. Et Saint-Germain d'Auxerre pose cette question à Sainte-Geneviève, enfant, et lui demande « Veux-tu te consacrer à Jésus comme épouse du Christ dans un corps immaculé et intact ?» Ce sont les termes même de la vie de Sainte-Geneviève. Et elle, bien sûr, elle accepte tout de suite. Et on sait l'expression « épouse du Christ ». On le sait en théologie fort bien, parce qu'il y a le grand théologien d'Afrique du Nord, Tertullien, qui a utilisé l'expression « sponsa Christi », épouse du Christ, pour désigner les vierges consacrées. C'est donc à une consécration des vierges que se destinait Geneviève enfant devant Saint-Germain d'Auxerre. C'est une rencontre absolument décisive. C'est un jour où Geneviève peut exprimer son souhait de s'unir au Christ pour la vie, de ne pas avoir d'autre but que de servir l'Église. C'est un engagement que Saint-Germain concrétise en lui remettant une pièce de monnaie marquée d'une croix et en lui disant « Si tu persistes dans ton engagement, tu gardes cette croix, tu la porteras comme seul bijou. » Ce n'est pas si commun que cela, malgré tout, même à cette époque-là, qu'une enfant, dise devant tout le monde « Je souhaite consacrer ma vie au Seigneur. » Et pas seulement dans une petite pièce face à une seule personne. Donc cela montre une force de caractère qu'elle a eue tant dans la vie de prière que dans la vie d'action. Je crois qu'elle est vraiment l'exemple même de l'union de la contemplation et de l'action. Ça, c'est une chose très, très, vraiment très importante. Elle a finalement toutes les qualités. Moi, j'ai découvert en elle une femme qui est ornée des charismes les plus divers et variés, qui a ce sens de Dieu, ce discernement, d'ailleurs même du point de vue de la foi. Il ne faut pas oublier qu'à son époque, l'hérésie arienne était encore présente, que le pélagianisme également était encore présent. Lorsque Saint-Germain l'Auxerrois va la rencontrer à Nanterre, alors qu'elle est encore bien jeune, il part en mission en Angleterre pour prêcher contre le pélagianisme. Donc Sainte-Geneviève vit dans cette époque où la foi est malmenée d'une certaine manière. Et elle a un discernement qui lui permet de confesser vraiment une foi tout à fait droite. Les parents n'étaient pas très engagés au point de vue chrétien, puisqu'il y a ce récit de ce miracle, le premier miracle qu'a fait Sainte-Geneviève vis-à-vis de sa mère. Au moment de l'entrevue avec Saint-Germain, ils accompagnent leur fille qui va voir Saint-Germain. Quelque temps après, sa mère montre le désir d'aller à l'église. Geneviève lui dit « Moi aussi je veux venir, je veux me montrer digne de ma promesse à Saint-Germain. Je veux venir à l'église avec toi. » Sa mère, contrariée, la gifle et refuse. Aussitôt, elle tombe aveugle. Alors Geneviève navrée, pensez-vous, Geneviève qui est bonne quand même, elle est navrée de voir qu'à cause d'elle, sa mère est tombée aveugle. Elle s'en va chercher de l'eau au puits, elle pleure sur la margelle, elle ramène un seau plein d'eau. Cette eau ramenée par Sainte-Geneviève qui lave les yeux de sa mère et aussitôt, sa mère retrouve la vue comme avant. Il paraît aussi tout à fait logique que ce soit à la suite de mois et de mois de prières, de réflexions, qu'elle en soit arrivée à comprendre que sa fille était appelée à vraiment une grande communion avec le Seigneur, avec ce Dieu d'amour, de miséricorde. Et donc elle ait pu lui demander à elle, cette petite fille, ce qui allait être son premier miracle. Elle a été extrêmement importante pour Paris à une époque donc très très dure, difficile. Si elle n'avait pas été une sainte, on pourrait dire qu'elle a été une héroïne. Mais je vois une grande différence entre une héroïne et une sainte. C'est que l'héroïne, il me semble, risque en tous les cas de s'appuyer sur ses propres forces.
alors que Sainte Geneviève s'est appuyée totalement sur la force du Christ. En arrivant à Paris, elle a souffert d'une part d'une très grave maladie qui a failli l'emporter, pendant laquelle elle a eu des visions assez étonnantes du ciel et de l'enfer. Je pense qu'elle a eu une souffrance morale épouvantable à ce moment-là. Et puis la souffrance de l'incompréhension, car on a failli la lapider. Les Parisiens ont voulu la tuer, la lapider, l'acheter à la Seine, enfin lui faire toutes sortes de misères, parce qu'elle avait osé parler au nom de Dieu, au nom du Christ, à l'époque où Attila allait ravager, semble-t-il, Lutèce avec ses uns, et qu'elle leur a dit surtout, surtout, ne fuyez pas sur les routes d'Orléans, vous serez massacrés, mais priez, priez, et nous serons sauvés. Et ils se sont dit, mais elle est complètement folle, celle-là, elle va nous faire tous massacrer. Et alors, ils avaient envie de la massacrer elle-même. La souffrance, c'est le sceau, le signe de la sainteté. Ça ne va jamais l'un sans l'autre. Quand elle a annoncé aux Parisiens qu'ils ne devaient pas fuir Paris devant Attila, on l'a accusée d'être une fausse prophétesse. Et c'était très douloureux, cette histoire de fausse prophétesse. Ça n'a l'air de rien, mais c'était très, très, très mauvais pour elle. Parce que ça l'atteignait dans son intimité de vie consacrée, de vie religieuse, de son union à Dieu. L'épisode décisif, c'est ce moment où on nous explique que Paris étant sous la menace de l'invasion des Huns, conduit par Attila, donc c'est 451, les habitants de Paris étant très découragés, très désespérés, n'espérant pas pouvoir défendre la ville, elle suscite un élan vital chez les habitants de Paris, et les habitants de Paris se mettent en défense, et la ville ainsi est sauvée, puisque Attila, se rendant compte, d'après des sources qui, je le reconnais, sont quand même assez indirectes, Attila, se rendant compte qu'il y a là une défense, finalement ne met pas le siège devant Paris et s'en va finalement pour aboutir au champ catalonique. Ce que je voudrais dire à propos de Sainte-Geneviève, c'est toute son action. Parce qu'on dit Sainte-Geneviève, mais Sainte-Geneviève, on dit qu'elle a prié, elle a soutenu le peuple des Parisiens, parce que nous sommes chez les Parisiens, c'est Lutèce encore à ce moment-là, par ses prières. Mais elle a fait infiniment plus que cela. Elle a donné à manger aux gens, à boire aux gens. Elle a sauvé des prisonniers que Clovis voulait faire exécuter. Elle a été extrêmement proche de ces Parisiens qui ont terriblement souffert. Il faut savoir que les Huns viennent de piller l'Italie. Rome est heureusement épargnée à cause de l'appel du pape, Léon Ier. Mais c'est horrible ce qui se passe à Paris. Et cette femme est auprès de tout ce peuple des Parisiens. À l'époque de Sainte-Geneviève en plus, il y a eu peut-être une succession épiscopale qui ne s'est pas toujours faite. Il y a eu des vacances finalement du siège épiscopal à Paris, ce qui pourrait expliquer encore plus l'importance de Sainte-Geneviève. Face à l'absence d'une figure spirituelle, qui est celle comme de l'évêque, il a dû avoir une autre figure qui a dû pallier à cette absence, et ça a été celle de Geneviève en l'occurrence. Elle a pu vivre pleinement cet aspect sociale et civile, parce qu'elle était totalement enracinée dans sa foi chrétienne. Vous savez très certainement que 3 mois par an, elle s'enfouissait comme un ermite dans sa cellule pour prier, jeûner. Elle avait le don des larmes, enfin beaucoup de très très grande vie et très forte et vie de prière et de d'ascèse. Et donc là, il semblerait qu'elle se vidait de tout ce qui était en trop, peut-être, en elle, pour recevoir toute cette présence de Dieu, toute cette présence christique qui lui donnait après la force, l'énergie, le discernement, l'esprit de sagesse, enfin tous les dons de l'Esprit Saint, pour aller vers les autres. Elle a quand même été très bonne théologienne aussi, je dirais. Elle a été très bonne théologienne parce qu'elle a lutté contre l'arianisme. L'arianisme, c'était la conviction du père de Clovis, qu'il dérègle de Clovis aussi à un moment. L'arianisme couvrait tout le nord de la France. Et l'arianisme, il y a quelque chose de très important dans la vie de Geneviève, qui est relaté très longuement dans la vie et qui marque bien son anti-arianisme et sa volonté de lutter contre l'arianisme, c'est la décision de bâtir une basilique sur le tombeau de Saint-Denis. Elle a eu cette initiative elle seule, et en bâtissant cette basilique de Saint-Denis, elle se dressait contre l'arianisme parce que les Ariens étaient tout à fait opposés au culte des saints.
Et en plus, la construction de cette basilique de Saint-Denis était le signe d'un grand prophétisme, parce que c'est la première fois en Gaule du Nord qu'on bâtit une basilique sur un tombeau de saint. Geneviève vénérait Saint-Denis, qui avait vécu en somme 2 siècles auparavant, qui avait évangélisé Paris, enfin Lutèce à l'époque, et comme chacun sait, est mort martyr, et elle a pensé qu'il était bon de prier un évêque martyr pour sa foi à Paris. Et elle se rendait, et c'est important dans sa vie, elle se rendait régulièrement pour surveiller les travaux. Et c'est au cours d'une de ces expéditions, car c'était tout de même assez malaisé, il fallait traverser des marais, qu'elle s'est fait surprendre par la nuit, et les torches de ses compagnes se sont éteintes. C'était évidemment un peu la panique. On a du mal à imaginer la nuit noire à l'heure actuelle dans une sorte de désert ou de marécage. Et quand elle a repris le cierge, celui-ci s'est rallumé immédiatement. Ce qui est très intéressant, c'est d'évoquer ce cierge ici, dans cette église de Saint-Leu-Saint-Gilles, rue Saint-Denis. Parce que vous verrez aussi sur le vitrail que Sainte-Geneviève a parcouru cette rue. C'est elle la première qui a voulu fonder une église sur le lieu où, non pas du martyr de Saint-Denis, mais où il est arrivé avec sa tête, et elle a voulu, elle, la première, en un temps où il était impossible de trouver des pierres, des fours à chaux, etc., mais elle a trouvé de fonder une église. Et donc elle allait en pèlerinage très régulièrement prier à Saint-Denis, et elle passait dans cette rue Saint-Denis. Et là, il y a eu ce miracle de la lumière éteinte et rallumée tout de suite. On voit dans l'iconographie un démon et un ange. Et le démon souffle pour éteindre la lumière et l'ange rallume la lumière. Et pour nous, c'est formidable. C'est d'une espérance extraordinaire de toujours, toujours se rappeler que, bon, faut être prudent et vigilant. Toujours l'autre va essayer d'éteindre la lumière. Mais jamais il n'y arrivera. Dans la vie de Sainte-Geneviève, écrite au début du VIe siècle, on a un très grand nombre de récits de miracles, mais on a également un très grand nombre de récits de miracles attribués à Sainte-Geneviève, à Paris, mais je crois même quelquefois en dehors de Paris, en tout cas à Paris, après sa mort, et le sanctuaire de Sainte-Geneviève, qui était l'abbaye de Sainte-Geneviève, l'église de l'abbaye de Sainte-Geneviève se trouvait là où est maintenant la rue Clovis, entre l'église Saint-Étienne-du-Mont et le lycée Henri IV. Donc les chanoines de Sainte-Geneviève ont veillé à montrer à quel point Geneviève protégeait sa ville contre les inondations, quand on était sous la menace, ou hélas, que l'inondation était déjà là, on sortait les reliques de Sainte-Geneviève et on faisait des processions pour demander que la ville soit épargnée. Et puis il y a, alors là ça doit être dans les environs de 1129, il y a le miracle de Sainte-Geneviève des Ardents, qui là concerne la maladie des Ardents. Le mal des Ardents est un mal qui est provoqué par une pourriture de l'ergot de seigle. Et dans des périodes où les récoltes ont été mauvaises, on utilise tous les grains pour faire du pain et malheureusement, la maladie va se déclencher de cette manière. C'est un mal tout à fait épouvantable qui paralyse progressivement la personne qui en est atteinte. Et devant le fléau qui décimait Paris, on a sorti la chasse de Sainte-Geneviève, comme on le fait toujours en cas de grande calamité. Et de très nombreux malades ont retrouvé la santé instantanément. C'est l'un des miracles les plus retentissants. Chaque fois qu'il y a un drame, on sort ses reliques de Sainte-Geneviève et elle devient la patronne de Paris dès le XIIe siècle, de sorte qu'on va sortir chaque fois entre l'église Sainte-Geneviève, sur le haut de la montagne Sainte-Geneviève et Notre-Dame. Il va y avoir de multiples processions, une fois par an, mais surtout pour les grandes occasions. Et on a déjà des récits de toute cette vénération de Sainte-Geneviève, patronne de Paris.
Ce qui atteste le mieux, c'est un petit peu comme la lune avec le soleil, c'est les reflets de ce qu'a fait Sainte-Geneviève. Tout d'abord, la chronique qui est faite de cette vie, et puis aussi tout le culte qui s'est développé après elle, et même rien qu'à sa mort, elle a été vraiment honorée. On a construit une église pour y mettre sa dépouille. Ça a été une personne qui a été honorée pendant tout le Moyen-Âge, et même tout l'âge classique, jusqu'à la Révolution. Il n'y a eu que les révolutionnaires, finalement, dans une sorte d'acte un petit peu violent et de réaction vis-à-vis de ce qui s'était passé avant, qui ont brûlé sa dépouille et qui l'ont jetée à la Seine. Mais avant cet événement fâcheux, finalement, tout au long des siècles, elle n'a pas arrêté d'avoir une grande aura. Son influence, son rayonnement s'étend au-delà sur toute la France. Mais quand même, avant tout, elle est la patronne de Paris. À un point tel que lorsque, après la révolution bolchevique de 1917, quand les Russes orthodoxes ont émigré de Russie et sont arrivés à Paris, ont connu et aimé Sainte-Geneviève. Parce que dans l'église orthodoxe, on vénère beaucoup les saints locaux. Alors ces émigrés russes qui sont venus chrétiens orthodoxes à Paris, ils ont trouvé Sainte-Geneviève et l'ont tout de suite adoptée. D'autant plus que Sainte-Geneviève est une sainte qui a été canonisée bien longtemps avant la rupture entre les catholiques et les orthodoxes. Elle est, je crois, un symbole de paix et d'unité, mais j'y ajouterai comme un troisième terme, c'est d'union, union à Dieu. Parce que justement, en vivant l'unité avec les autres, en essayant de manifester la paix et de la faire vivre à chacun, en même temps, elle a voulu avant tout vivre une union à Dieu. Et c'est en cela que son visage est particulièrement intéressant. Il suffirait par exemple d'écouter les litanies de Sainte-Geneviève, où toutes les qualités de Sainte-Geneviève et le rappel de son action concrète sont énoncées dans ces litanies. Elle était celle qui venait au secours des prisonniers, elle était celle qui était le secours perpétuel des pauvres, elle était celle qui intercédait aussi sans cesse, elle était celle qui faisait des guérisons, qui chassait les démons, comme on dit également dans ces litanies. Donc c'est quelqu'un de très présent, c'est quelqu'un d'agissant. Et il semble que cette action, intuitivement, les fidèles la sentent encore aujourd'hui. C'est quand même une grande héroïne, à l'égal de Jeanne d'Arc. C'est une femme comme Jeanne d'Arc. Elle fait partie de ces grandes figures de la France qui sont des figures à la fois de force et de charité, de paix, d'élan. Un jour, j'ai compris qu'en fait, si elle avait pu faire tout ça, c'est parce qu'elle avait intégralement tout donné de sa personne. Sa vie, son être, son corps, son âme, son esprit, son cœur, tout, tout, tout. Bah, évidemment, ça a un prix de pouvoir être servante du Christ à ce point-là. Hein. Et c'est pourquoi je l'aime tant et je l'admire tant. Rien de tel que marcher sur les pas de Sainte-Geneviève pour la mieux connaître. La tâche est aisée, car, symbole d'une capitale que tant de peintres ont caressée de leurs pinceaux, Sainte-Geneviève poursuit à jamais son œuvre protectrice. Phare d'une ville-lumière qui éblouit le monde entier. Elle est toujours présente, et, prestigieuse ou modeste, nombreux sont les lieux où l'on peut la rencontrer et lui rendre hommage. La remercier aussi, car, grâce à elle, Paris sera toujours Paris.
Les touristes qui découvrent la statue de Sainte-Geneviève du sculpteur Landowski à l'occasion d'une promenade sur la Seine ont le devoir de se rendre ensuite au Panthéon. Comme de nombreux Parisiens, ils apprendront alors que l'édifice destiné de nos jours à recevoir les cendres de nos grands hommes fut érigé sous Louis XV, qui souhaitait en faire la nouvelle église Sainte-Geneviève après destruction de l'abbaye. Subsiste de nos jours un panthéon qui ne fut que temporairement l'église Sainte-Geneviève, proche de l'époustouflante église Saint-Étienne-du-Mont. L'un et l'autre constituent l'incontournable point de départ de notre rencontre avec la Sainte. Seuls, les historiens se risquent encore à évoquer l'abbaye. L'histoire de l'abbaye, des documents, nous la raconte en remontant dans le temps. 1739, elle est alors l'une des plus influentes du royaume. 1660, l'abbaye jouxte l'église Saint-Étienne-du-Mont. 1535, elle a dépassé de 25 ans son millénaire. L'abbaye a été fondée par Clovis et Clotilde sur la tombe de Geneviève pour l'honorer à sa mort. Et je tiens à signaler tout de même que c'est la première église fondée par un roi de France. C'est très important, la première église fondée par un roi de France. Alors, Clovis est mort de façon prématurée. Il a été inhumé à côté de Geneviève, dans la basilique. Et c'est Clotilde qui a achevé la basilique. Et pour entretenir la basilique et les tombeaux, a nommé quelques religieux et leur a donné le terrain autour de la basilique de façon à ce qu'ils puissent vivre, non seulement vivre, mais survivre, avoir des biens pour vivre. Et c'est comme ça qu'est née l'abbaye. Le cœur battant, nous pénétrons dans l'un des plus beaux lieux de culte de Paris, l'église Saint-Étienne-du-Mont. Sainte-Geneviève nous y attend. Tandis qu'on s'apprête à se recueillir devant la magnifique châsse en bronze doré de 1853, miraculeusement épargnée par les révolutionnaires, nous admirons au passage les véritables œuvres d'art qui nous comptent la vie de la Sainte. Et l'on songe, Dieu sait pourquoi, à Casimir de la Vigne, qui écrivit « La vie est un combat dont la palme est aux cieux ». On est chez Sainte-Geneviève, dans tout ce quartier vous êtes chez Sainte-Geneviève. C'était une sainte, je dirais, si j'ose, patriote. En fait, c'est une sainte nationale. Vous voyez, et elle a incarné la patrie, elle a incarné la défense de la France. C'est la raison pour laquelle, certes, les gens venaient honorer, venaient s'agenouiller auprès de la châsse, mais tous les rois de France sont venus ici dans cette église-là. Tous les politiques également. Je ne parle pas des papes. Marcher sur les pas de Sainte-Geneviève jusqu'à Nanterre est une démarche chargée d'émotions. Elle est là. Là où elle vit le jour. Son visage est empreint de sérénité. En aucun lieu, aucun autre sanctuaire, nous ne nous sentons plus proches d'elle. Sans doute parce que, comme l'a dit Camille Belguise, dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Nous sommes donc ici dans ce lieu souterrain qui est le lieu des soubassements de la maison de Sainte-Geneviève. Je viens de passer devant des ex-voto qui rappellent que depuis nombreux siècles, des chrétiens viennent en pèlerinage ici pour faire diverses demandes à Sainte-Geneviève pour qu'elle intercède auprès du Seigneur. Alors les ex-voto, bien sûr, qui sont là présents, sont plus récents, plutôt du 19e siècle, mais des pèlerins sont venus bien plus tôt. Il y a une pèlerine célèbre, c'est Anne d'Autriche, qui est venue demander un enfant au Seigneur par l'intercession de Sainte-Geneviève. Et quel enfant, puisque cela a été Louis XIV. Nous sommes donc dans la chapelle, ici, qui est sur le lieu, sur les fondements de la maison de Sainte-Geneviève. Donc un lieu où se célébraient à certaines époques donc des messes pour demander l'intercession de Sainte-Geneviève au Seigneur. Ce lieu donc montre aussi bien sûr que Nanterre était plus bas qu'il n'est actuellement, comme beaucoup de nos villes. On a constamment construit sur les remblais, donc le niveau du sol était plus bas. Et donc on pense vraiment qu'ici, donc, il y avait la maison de Sainte-Geneviève, là où elle est née, là où elle a vécu toute son enfance, ce qui explique la proximité avec le puits juste à côté. La vérité, dit-on, est au fond d'un puits. Il semble bien qu'au fil des siècles, on y vint chercher à Nanterre sans pour autant la trouver, de sorte qu'insidieusement, l'imagination se joua de l'authenticité.
C'est ainsi que longtemps encore, pour toujours peut-être, on conservera de la jeune Geneviève l'image d'une petite bergère qui garde ses moutons. À partir du XVe siècle, la représentation iconographique de Sainte Geneviève va évoluer complètement. Et vous en avez un exemple derrière vous avec la statue, la superbe statue de Sainte Geneviève de l'église Saint-Louis en Lille. Donc, il va y avoir vers 1420-1429-35. Les sièges de Paris, toute l'aventure de Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc a commencé par être bergère à Domrémy. Et on fait une sorte d'amalgame entre la sainte patronne de la France et sainte Geneviève, patronne de Paris. Nous avons donc deux femmes. L'une a vécu très âgée, surtout quand on pense à l'époque où ça se passe. L'autre est morte, comme chacun le sait, très jeune. Mais deux femmes qui, par choix ou pas par choix, sont célibataires et vivent ce célibat de façon très intense, l'une et l'autre. Et deux femmes, alors c'est peut-être là que le rapprochement s'imposerait encore plus, deux femmes qui ont eu l'une et l'autre un rôle politique important. Ces deux femmes sont des femmes de prière, des femmes d'action, des femmes qui vont peser dans l'histoire de leur époque et des femmes qui vont, si l'on peut dire, presque entrer en concurrence, non pas l'une par rapport à l'autre, non pas que Jeanne d'Arc ait souffert de la comparaison avec Sainte Geneviève qui n'est jamais née à son époque, mais après sa mort, bien sûr, les chrétiens aiment à se référer à telle ou telle figure. Et il est certain que Sainte Jeanne d'Arc, surtout au début du XXe siècle, puisqu'elle a été béatifiée et canonisée au cours du XXe siècle, de ce fait-là, son visage est venu plus en avant. Et le visage plus ancien de Sainte Geneviève, il était plus ancien déjà à l'origine et plus ancien aussi dans la canonisation, qui était bien plus ancienne, plus proche de sa mort que celle de Jeanne d'Arc, eh bien ce personnage de Jeanne d'Arc est venu en avant. Et alors on a voulu promouvoir, mais d'ailleurs bien avant la canonisation de Jeanne d'Arc, le visage de Sainte Geneviève en lui donnant des attributs qui n'étaient pas forcément les siens. Alors par exemple, on l'a présentée avec des moutons, comme si elle gardait des moutons, alors qu'étant donné sa situation sociale, le fait que son père avait des responsabilités, elle n'a sans doute jamais gardé de mouton. Gardienne de mouton, je crois que c'est une image qui a voulu montrer le caractère pastoral de son action. Sans doute à une époque où il y avait une faiblesse de l'épiscopat, les habitants de Lutèce, donc à l'époque, se sont rassemblés autour d'une figure charismatique qui est celle de Sainte Geneviève, précisément. Cette iconographie s'accentue encore au XVIIe siècle, époque de cette statue, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus seulement Sainte Jeanne d'Arc qui est représentée entourée comme une bergère, mais c'est la Vierge pastorale. L'iconographie de la Vierge pastorale apparaît à ce moment-là, et du coup, ça fortifie encore l'iconographie qui s'était présentée intérieurement. Moi, je suis toulousaine, je ne suis pas parisienne, mais j'ai tout à fait adopté Sainte Geneviève parce que j'ai beaucoup de points communs avec elle. Elle était vierge consacrée. Cette consécration des vierges qui existait à l'origine de l'Église dans les premiers siècles a disparu au long des siècles, puis a été restaurée récemment par le Concile Vatican II. Et j'ai reçu moi-même cette consécration des vierges. Et je suis très liée à Geneviève par cette consécration qui nous réunit, à un point tel que j'ai écrit un livre sur Sainte Geneviève pour la raison suivante. En 1996, lorsqu'on a fêté, commémoré le baptême de Clovis, beaucoup d'historiens ont retrouvé cette époque du baptême de Clovis à l'époque de Sainte Geneviève, justement. Et on s'est donc penché sur Clovis, mais on s'est aussi beaucoup penché sur le cas de Geneviève. Et les historiens sont maintenant tout à fait d'accord pour penser que le rôle de Geneviève a été très important dans la conversion et le baptême de Clovis. Alors les historiens ont beaucoup parlé de Sainte Geneviève. Certains sont allés jusqu'à dire que Sainte Geneviève était diaconesse. C'est une erreur. Geneviève n'était pas diaconesse
pour la bonne raison qu'en Gaule, à cette époque-là, au 5e siècle, il n'y avait pas de diaconesse. Il n'y avait pas de communauté religieuse. Elles n'existaient pas, les communautés religieuses. Il y avait les vierges consacrées qui habitent seules dans le monde, comme moi-même aujourd'hui, je ne suis pas mariée en religieuse, vous voyez. Je suis vierge consacrée. Ce qui me revient le plus, c'est peut-être pas directement ce qu'a vécu Geneviève, mais plutôt la réaction ou la manière de la percevoir chez un certain nombre de chrétiens maintenant, où des hommes, mais aussi justement des femmes, sont très attirés par sa figure, non pas en disant qu'elles veulent devenir elles-mêmes vierges consacrées, ce sont parfois des mères de famille qui disent cela, mais que leur fascination pour Sainte Geneviève, mais elles reconnaissent que malgré les 1500 ans qui les séparent de cette femme, ils trouvent son visage particulièrement actuel. Alors sans doute à Nanterre avec un attachement plus sentimental, parce que c'est la fille du pays tout simplement, mais aussi parce qu'elle a lié une vie d'action et une vie de prière. Et sa place dans la société de l'époque est assez moderne finalement. À cause de tout cela, sans doute, elle parle plus à beaucoup de chrétiens que d'autres saints, même postérieurs, qui sont plus difficiles à appréhender a priori, même si leur spiritualité ou ce qu'ils ont fait est tout aussi important. Il est temps de voir que l'église dans laquelle nous nous trouvons, c'est une église qui était sous le patronage de Saint Maurice jusqu'au XIXe siècle et début du XXe. Étonnant quand même pour un lieu qui a vu naître à quelques pas seulement en Sainte-Geneviève. Et ce sont les chrétiens au cours du XXe siècle qui ont voulu que ce lieu-là honore particulièrement Sainte-Geneviève. Et donc l'église ne s'est plus appelée Saint Maurice, mais Sainte-Geneviève-Saint-Maurice. Ils l'ont reconstruite. Et cette église a été réalisée pour cela, avec toutes les fresques qui montrent et qui manifestent bien cette importance de Sainte Geneviève. Je crois que finalement ce n'est pas si commun que cela qu'un saint, plus de 1400 ans après sa mort, soit honoré tout d'un coup en ayant un sanctuaire dédié à sa personne. Cette église de Longpont a été érigée au rang de basilique en 1911 et c'est un très vieux lieu de pèlerinage. On dit que des druides vénéraient dans un chêne une vierge qui allait enfanter et les évangélisateurs de la région, à savoir Saint-Denis et Saint-Thion, seraient passés par là et auraient révélé aux druides que cette vierge qu'ils vénéraient sans trop la connaître, c'était la Vierge Marie, Mère de Dieu. Voilà. Et en témoignage de leur conversion, Saint-Denis aurait cédé un morceau du voile de la Vierge Marie, et c'est ce voile qui est à l'origine du reliquaire de Longpont. Dans cette basilique, il y avait une chapelle dédiée à Sainte Geneviève. Il en reste une statue, une très belle statue de bois. Dans l'actuel département de l'Essonne, qui comporte environ 200 communes, on peut dire que 50 églises comportent encore un signe, une trace de culte à Sainte Geneviève, c'est-à-dire l'importance de la dévotion à la Sainte dans cette région sud de l'Île-de-France. Alors d'abord, il faut rappeler que pratiquement les deux tiers du territoire de l'actuel Essonne relevaient avant la Révolution française de l'ancien archidiocèse de Paris. Par conséquent, on peut comprendre les influences du culte. Et puis surtout, il y a un petit village qui est maintenant une assez grosse ville de 40 000 habitants qui s'appelle Sainte-Geneviève-des-Bois, tout près d'ici, tout près de Longpont, où il y a une légende d'un passage de la Sainte. Difficile d'imaginer que la fille du ciel puisse se trouver là.
et pourtant elle y est. Blessée, mais là comme ailleurs, en permanence tendue vers Dieu, dans la vaillance et la joie de l'effort. À l'image de la devise de ce Paris qu'elle protège, fluctuate nec mergitur, toujours ballottée, jamais submergée. C'est pourquoi marcher sur ses pas est une récompense. La légende, c'est que vers l'âge de 25 ans, Geneviève serait passée par ici en allant au-devant de l'évêque Saint-Loup, évêque de Troyes. Elle aurait traversé cette portion de forêt qu'on appelait jusqu'à sa destruction quand cette zone a été lotie à la fin du 19e siècle, la forêt de Séquigny. Elle aurait eu soif, elle se serait reposée ici et une source aurait jailli. Et très vite, des habitants d'une ville voisine qui s'appelle Essonne, maintenant reliée à Corbeil-Essonne, seraient venus ici chercher de cette eau pour guérir la ville qui était prise d'épidémie. D'où la légende d'une eau pouvoir de guérison. Il y a une perduration ici du culte. Je ne suis pas très sûr que les gens qui viennent ici confier leurs êtres chers à leurs enfants ou autres, à une guérison à Sainte-Geneviève, connaissent exactement la vie et la portée du message de Sainte-Geneviève. Ils viennent ici comme quelqu'un de familier, mais c'est aussi ça les saints, ce sont des gens de notre famille, comme une sorte de grand-mère ou de grande sœur universelle à qui on vient confier ses soucis. Humble lieu de culte, la grotte de Sainte-Geneviève est en fait un haut lieu de prière. La prière dont Gandhi disait, souvenons-nous, qu'elle est la clé du matin et le verrou du soir. Sainte-Geneviève, patronne de Paris, mais aussi apôtre de l'unité, en témoignent les puissants liens spirituels qui unissent catholiques et orthodoxes. Le lieu pour les évoquer s'imposait, la crypte de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, où se trouvent les reliques de Sainte-Hélène. Il y a un rapport évident entre Sainte-Hélène et Sainte-Geneviève, c'est celui du rapport entre l'Occident et l'Orient. J'ai été percutée il y a des années de ça, quand j'ai découvert la vie de Sainte-Geneviève, par son lien spirituel avec Saint-Siméon le Stylite. Saint-Siméon le Stylite était plus âgé que Sainte-Geneviève et vivait en haut d'une colonne qui avait, si je ne me trompe pas, 40 mètres de haut à Alep et près d'Antioche. Et c'était un des plus grands saints, déjà reconnu comme un très grand saint avant même qu'il ne meure, puisqu'il était connu dans tout le bassin méditerranéen et déjà vénéré à Rome, enfin... Beaucoup de pèlerins venaient le visiter, toutes classes sociales confondues. Et il y avait des échanges commerciaux entre la Syrie et la Gaule. Et des marchands, dans les colonnes de marchands, il y avait aussi des pèlerins qui en profitaient, qui voyageaient avec eux. Et donc, un jour, Saint-Siméon le Stylite a eu comme ça, je suppose, vent de l'existence de Geneviève en Gaule, et a dû savoir, dans la prière, dans l'Esprit-Saint, que c'était quelqu'un de très important pour la Gaule, pour Lutèce, pour Paris. Et donc, il a demandé à des marchands, quand il retournerait à Lutèce-Paris, de saluer Geneviève de sa part, et d'emporter pour elle une petite fiole d'huile et de lui demander aussi de prier pour lui. Quand j'ai lu ça, j'ai été percutée par l'importance de ce lien. Je me suis dit, mais c'est très important pour notre temps et pour le futur. Sainte Geneviève était un des exemples très, très lumineux de l'histoire de la sainteté, de cette foi qui déplace les montagnes. La preuve, la montagne d'Attila, elle l'a déplacée. Et j'allais prier au tombeau de Sainte-Geneviève et c'est là que j'ai rencontré des Russes orthodoxes et que j'ai appris que depuis plus de 70 ans, depuis la première émigration, depuis la révolution de 1917, des Russes qui étaient venus se réfugier à Paris
avait rencontré Sainte Geneviève. Et c'est une histoire tellement belle, tellement forte sur le plan de la foi, que j'ai pu la faire raconter par un témoin direct, qui est Catherine Loski-Aslanov, qui est retournée au père depuis, la fille de Vladimir Loski. Et Catherine a bien voulu écrire cet appel de Sainte Geneviève aux Russes de la première émigration aux orthodoxes, de venir se réfugier auprès d'elle et qu'elle les protégerait. Donc depuis, ils viennent chaque année en pèlerinage au tombeau de Sainte Geneviève pendant la neuvaine. Elle est un exemple pour notre époque parce qu'elle, elle s'est occupée, comme on disait tout à l'heure, d'actes politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de la société de son temps, ce à quoi nous sommes tous appelés. C'est pourquoi elle est un modèle pour nous. Elle est engagée dans le monde de son temps et elle est engagée dans la souffrance de son temps. Et je reviens encore à l'épisode d'Attila parce que c'est quand même très impressionnant. Cette femme-là, d'une part, pense que c'est son devoir de soutenir la population de sa ville dans des circonstances très difficiles. D'une part, elle pense que c'est son devoir. D'autre part, elle pense qu'elle peut y faire quelque chose, qu'elle en est capable. Et effectivement, elle en est capable. Elle a en elle une puissance d'élan, alors je ne sais pas comment définir ça, mais elle a en elle quelque chose qui le lui permet. Eh bien, voilà, c'est peut-être son charisme, et chacun de nous doit trouver son charisme. Pour moi, Sainte Geneviève, c'est le modèle même de l'engagement politique qui va jusqu'au dévouement total de ses concitoyens en temps de guerre. Vous savez qu'aujourd'hui, une des devises de la gendarmerie, c'est d'être une force humaine. Et chez Sainte Geneviève, quand vous relisez toute sa vie, on s'aperçoit que ce qui est au centre de sa vie, en plus de sa piété, c'est sa vertu de force. C'est-à-dire quelqu'un qui, face à quelque chose qui était redoutable, l'invasion des Huns, en 451 sur Paris, c'est quelqu'un qui a eu peur, comme tout le monde a eu peur, parce que c'était quand même de drôles de hordes, hein. Et Sainte Geneviève a joué un peu le rôle que jouent les gendarmes, qui est leur mission, à savoir de rassurer la population. Donc Sainte Geneviève a joué ce rôle, parce que Sainte Geneviève est loin d'être une bergère, c'est quelqu'un qui avait une position sociale et institutionnelle extrêmement forte à Paris. Et c'est en vertu de son autorité qu'elle a pu justement mettre les femmes dans l'église pour prier, pour que ça s'arrange, et elle-même rassurer la population, et surtout, ce qu'on oublie souvent, de partir de Paris pour aller jusqu'à Troyes, par la Seine, et ramener du ravitaillement pour la population. La sécurité publique, rassurée, je crois que... Elle l'a fait avec force, c'est-à-dire qu'elle a dominé, maîtrisé sa peur pour permettre justement aux gens de rester à Paris. Ils ont reconnu dans Sainte Geneviève quelque chose de l'essence même de l'esprit de gendarmerie. Elle est patronne de la gendarmerie, donc en vertu d'un rescrit de Jean XXIII, en date du 18 mai 1962, où le pape Jean XXIII a signé un rescrit où il déclare Sainte Geneviève patronne de la gendarmerie française, enfin des forces de l'ordre françaises, et pour perpétuelle mémoire, c'est-à-dire que rien ne pourra jamais s'y opposer dans l'histoire. Il ne faut pas oublier que les gendarmes vivent quand même des missions difficiles, hein, des missions dangereuses, des missions où ils déclarent eux-mêmes avoir peur, et je crois que ce n'est pas un vain mot de le dire, que ce soit du maintien de l'ordre ou bien des patrouilles de nuit. Bon. Or, une Sainte Geneviève, c'est l'occasion justement de pouvoir se dire entre gens qui travaillent ensemble, de pouvoir vivre un peu ce moment de cohésion, un moment où on retrouve le sens très profond de la mission qu'on accomplit. Parce qu'il y a de quoi se décourager quand même de temps en temps avec à travers ce qu'il voit. Et il y a besoin de donner du sens. Alors bien sûr, dans la gendarmerie, tout le monde n'est pas chrétien et ne va pas chercher le sens du côté de Sainte Geneviève ou de la suite du Christ.
Mais pour ceux qui sont chrétiens, c'est l'occasion d'aller au plus profond du sens humain et théologal de leur mission. C'est-à-dire de se dire que c'est une façon d'être chrétien et c'est une façon de suivre le Christ. Dieu de bonté, de justice et de paix, entends la prière que j'élève vers toi. Je suis gendarme et je veux être chrétien. Il me faut être fort. Aide-moi pour que jamais je ne devienne violent. Et s'il me faut aller jusqu'au sacrifice de ma réputation, de mon bien-être, de ma vie, donne-moi ta force, Seigneur. Même quand je dois armer mon bras, garde mon âme dans la paix. Par la prière de Sainte Geneviève, ô Dieu, je t'en supplie, aide mon service, ranime mon courage et fortifie ma foi. Amen. Venez, venez, nombreux, en foule, en pèlerinage au tombeau de Sainte Geneviève. Elle a des tombereaux de grâce à obtenir et à donner à chaque personne, et également pour Paris, pour vraiment cette conversion profonde de Paris. Il y a tellement, tellement de misère. On est dans une telle détresse, dans de telles impasses, et je suis absolument sûre qu'elle peut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon sang de bonsoir, il faut lui demander, il faut activer les choses. Une source, elle ne coule et vraiment, elle ne devient torrent que si aussi on a soif. Thank you.